L'une de mes bêtes noires à bord, ce sont les passagers qui surclassent eux-mêmes leurs bagages, leurs valises, lorsqu'ils embarquent dans l'avion. Alors voici une situation. Un passager est assis en classe économique, il dépose son sac en classe affaires lorsqu'il embarque, ou une personne est assise au rang 54 et il empile son sac au-dessus de la tête du passager qui est rangé 12. Ben tout ça, ça doit cesser. J'ai remarqué ce type de comportement un peu sournois depuis quelques années et je vois toujours pas l'intérêt d'avoir votre bagage aussi éloigné de vous. Alors une des astuces que les équipages ont, c'est de fermer les coffres à bagages dans les classes affaires, du moins dans les premiers rangs, ce qui fait que ces passagers pensent que les coffres sont pleins alors qu'ils ne le sont pas. Au moins, on va réserver ces coffres pour les passagers qui sont assis dans ces rangées-là. Lors d'un récent voyage, assis en classe affaires, j'avais remarqué qu'un monsieur posait son bagage dans la rangée 4 de la cabine de la classe affaires alors qu'il se dirigeait vers son siège qui était dans la section économique. Quelques minutes plus tard, un passager de la classe affaires est arrivé, il avait du mal à trouver de l'espace dans le coffre au-dessus de son siège. On n'a pas d'emplacement qui nous est réservé. Vous n'êtes pas forcément le coffre à bagages est juste au-dessus de votre siège. Mais en général, on va essayer de mettre votre bagage juste à côté, mais pas à l'autre bout de l'avion. Ce qui est arrivé, c'est que ce passager avait un statut élite et pensait que l'avion était à lui. Non, 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 si t'as acheté un siège à l'arrière de l'avion, bah, c'est là où on va mettre ton bagage. À moins que tous les coffres soient pleins. Et dans ce cas-là, on va essayer de remplir ce qui reste en classe affaires. Mais c'est pas à toi de décider. Tu vas mettre ta valise près de ton siège. Personnellement, je grince des dents à quiconque qui n'est pas assis dans ma rangée en plaçant des sacs avant de s'installer dans sa propre rangée. Évidemment, faute de place, je partage volontiers le bac supérieur, mais remarquez que ce sont les mêmes personnes qui ne tiennent aucun compte des bagages des autres et qui vont simplement pousser leurs sacs sur des objets enveloppés avec une nickel fragile. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le vol de bagages, sachant que vous êtes peut-être en train de dormir 20 rangées plus loin? Moi, je mets tous mes effets personnels précieux dans mon bagage de cabine, qui doit être près de moi. Si pendant le vol, quelqu'un vient voler votre portefeuille, votre passeport, etc., à qui vous allez vous plaindre? À l'équipage, on va vous dire, ben, pourquoi votre bagage était aussi loin? Donc, mesdames, messieurs, gardez votre bagage près de vous, mettez-le dans les rangées qui se trouvent au-dessus de votre siège ou autour de votre siège, mais pas au bout de l'avion. Sur ce, bon voyage!